Salutations, ladies and gentlemen! On se retrouve pour un jour, un épisode toujours hardcore, toujours sans dormir. Mais non, d'abord, on va faire le choix de l'acide. Je vous ai tout expliqué hier et aujourd'hui, nous allons faire la première des Holshaddicts. Creux, Valkyrie, Dodin, fidèle des premiers jours. Merci Creux encore. Et euh, donc, euh, on va créer un monde avec son pseudo. Hop, on met ça dans l'acide. Impeccable, terminé. On est bien en créatif. Allez, c'est parti, on crée. Et hop, euh, ben on arrive en plein dans une forêt, là je suis presque dans un arbre, enfin en tout cas la caméra est dans un arbre, et ben, creux tu nous accueilles en forêt du coup, euh, voilà une petite forêt, on voit pas grand chose du coup, ah là, -haut, ben on voit une abeille, là-bas je vois du sapin, ah, ben on va peut-être être dans un environnement de Valkyrie du coup, euh, ben on voit pas grand chose, donc tout de suite, hop, on va prendre des petits blocs, 25 pour être précis, hein, comme j'ai fait hier, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Et voilà, on est à 25 de haut. Ah oh bah, un village. Bah voilà. Et un petit relief là-bas. C'est pas une montagne. Enfin, c'est presque une montagne, mais c'est assez sympa. C'est assez sympa, j'avoue. Euh, donc là, bah, on va direct un petit village. Euh, oh, ah bah si, là, c'est environnement Kevin Cliff. Effectivement, j'avais vu des sapins, mais euh, les sapins euh, sont bien avec un relief. Ah oui, il y en a là encore. Ok. Oh, c'est très très sympa ici. Alors là, on est, euh, ouais, on, on pourrait être dans un environnement viking. Hein. On pourrait, mais pas que. Mais pas que. Il y a de la marge. Il y a pas mal de choses avec ce village des plaines. Ok. Euh, bah, dans un premier temps, on va descendre. Hop. On va aller voir rapidement ce qu'il y a sous nos pieds, juste euh, vite fait. Un petit coup d'œil rapide juste pour dire euh, voilà on a regardé. On va descendre un tout petit peu, voilà, on regarde, on fait un petit tour d'horizon, ok bon bah les cavernes de la Cavern Cliff, hein, ça vous allez voir, euh, quelle que soit la site, de toute façon c'est des gruyères pas possibles, des méandres dans tous les sens, des cavernes gigantesques, des tuyaux, des boyaux, tout ce qu'on veut. Euh, voilà, c'est devenu un, un truc de fou. Un truc de fou, mais ce sera l'occasion de tout découvrir ensemble, vous inquiétez pas. Alors de cette nouvelle série. Euh, du coup, hop, je vais repasser en comme ça. On va quand même prendre un tout petit peu de distance pour voir par ici, par exemple, qu'y a-t-il Alors déjà, il y a une magnifique rivière là, un portail du Nether en ruine là-bas. Euh, là, ça a l'air super beau là-bas. Ici, euh, on a quoi On a donc de la forêt. Oh bah, il y a un autre village, dis donc. Il y a un autre village par ici. Donc euh, là, ce serait le village des Valkyries justement. Avec une petite hanse là. Et euh, ah, bah, c'est une Mido ça. Tiens, on voit une Mido là. Dans les nouveaux biomes. Ok, donc là il y a un petit village sapin. Euh, là du coup le Mido avec plein de fleurs. Euh, franchement moi j'adore cette nouvelle génération de monde. Euh, je trouve qu'il y a une nouvelle harmonie qui se crée en fait entre les biomes. Euh, qui est beaucoup plus euh, fluide. Je trouve ça beaucoup plus sympa. Et puis alors ces reliefs, ces vrais reliefs. C'est-à-dire que quand il y a une rivière avec... Euh, voilà, on a vraiment une rivière escarpée. Là, on pourrait faire l'argonate de Lord of the Ring Online. Hein. Euh, clairement, clairement ici, là, voilà, on imagine bien après, puis un lac ici. Oh là là, que c'est beau, que c'est beau, que c'est beau. Ma foi, que c'est beau. Et là, la Mido, donc ce, cette montagne un peu colline, euh, avec plein de fleurs. Ça va un petit peu faire de la concurrence au Biome Flower, mais c'est pas grave. Un village plus que conséquent, village de la plaine. Voilà, avec déjà une, deux églises. Enfin il y en a une qui est bizarre. Ah non, elle est complète. Voilà, c'est parce que je suis en hauteur. Et puis ben, beaucoup de relief sur cette side. Donc, euh, et puis bah ben, si voilà, on a bien l'environnement Valkyrie Viking. Euh, ça a du mal à se charger là par contre. Mais on va bien trouver un environnement avec de la neige. Alors regardez-moi, ça c'est petites choses qu'on trouve maintenant là. Euh, voilà, des grottes comme ça, un flanc de, de montagne. Et puis euh, on imagine plein de choses. Il y en a une autre en face, en plus juste derrière le village. Il ah, voilà, puis ça c'est du vrai relief là. Hein. Pour le coup, euh, c'est bien abrupt. On va s'amuser à monter et à descendre. Euh, donc là, on a des petits effets de sentiment avec la neige. C'est pas toujours agréable en vidéo. Je suis désolé. Voilà, quand on accélère. Mais euh, de ce côté-ci, voilà, de la glace. Euh, ah, la neige est arrivée là. Et puis j'ai bien l'impression que juste derrière, il y a des ice spikes ou des icebergs. Je sais pas. On va juste aller voir là parce que je les ai distingués du coin de l'œil. Voilà. Euh, eh bien, ça doit être un champ d'iceberg. Voilà, il y a un océan gelé juste derrière. Voilà, encore plein, plein d'idées qui peuvent venir quand on voit tout ça. Euh, voilà, c'est bah, Minecraft, quoi. Hein. Dès que vous vous baladez, vous dites Ah, tiens, là, je verrais bien ça comme build. Ah, ça, je ferais bien une base comme si. Euh... Ah, bah là, ouais, tiens, j'explorerais bien cette faille un peu bizarre, mais totalement logique, en fait. C'est ça qui me plaît beaucoup dans la 1.18 personnellement. Euh, C'est ce côté euh, beaucoup de cohérence euh, dans le, la génération maintenant, que, objectivement, nous n'avions pas jusque-là. Regardez-moi ça ici. Euh, C'est assez logique en fait. On trouve des, des, des trucs magnifiques comme ça sur notre planète, des endroits avec euh, ce genre de choses, une, une faille en fait, avec de l'eau dedans, euh, comme une rivière qui devient souterraine. Voilà, ça donne beaucoup d'idées tout ça. Bon, il y a encore des petits bugs de, de génération comme ici, mais euh, franchement, c'est génial. Franchement, il y a moyen de vraiment s'amuser. Et comme en plus, je serai rejoint par les Hall on va sûrement s'amuser deux fois plus, quatre fois plus, cinq fois plus. Ça dépend de leur motivation et de leurs idées, mais ça, je n'ai aucun doute. Ça va le faire. Donc, le spawn, il est ici, euh, juste à côté d'un village. On sait déjà qu'on aura un autre village pas loin. Euh, on sait aussi qu'il y a beaucoup de reliefs. C'est pas encore les méga montagnes mais euh, voilà, c'est déjà sympa. Donc euh, ben bah voilà, petite visite sympathique de l'acide Creux Valkyrie d'Odin. Alors forcément ces petits épisodes vont être un petit peu plus courts hein, que mes 20 minutes habituelles puisqu'on va pas passer 20 minutes à explorer sinon on va se gâcher le plaisir. Mais euh, j'espère que ça vous aura donné une idée suffisante pour euh, bah, décider si celle-ci fait partie de votre panel bien, passable, plus que bien, etc. Et comme les vidéos seront courtes, ça vous permettra éventuellement de les revoir. Moi je vais vous dire à demain pour la prochaine CID, ce sera génial. Faire, je vous spoil un peu, euh, et donc euh, portez-vous bien à demain, ciao ciao.